n'est pas non plus Donatien Menaz. Donatien Menaz, lui, c'est l'humour de droite. Il faut pas être pessimiste, parce que sinon on est de gauche, on pourrait être PS cyniste. C'était très très drôle. On a particulièrement apprécié la blague sur J'aime la gauche et moi-même un ami qui ne paye pas l'ISF. C'était très drôle. On s'est marré, j'ai adoré quand il a chanté Magic System avant de pouvoir les expulser si jamais ces idées arrivent au pouvoir. La blague sur Kennedy n'est pas passée inaperçue. Mais j'ai surtout aimé la force de démonstration de Donatien Menaz. Mais il nous dit ce serait pessimiste d'être pessimiste. Et je dis, oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il est fort! Et alors, il est venu ce moment de la rhétorique qu'on appelle la réfutation. La réfutation, c'est quand on est censé expliquer aux gens qui nous écoutent qu'il arrive que la thèse adverse est erronée. Et là, il nous dit, mais dire que le pessimisme serait le cancer de l'âme, là, tout le monde attend, mais là, il va dire un truc, hein. Et ben, ce serait une bêtise. Ah, merci, monsieur Le Ney. Et monsieur Le Ney, il te dit que le cancer s'est élargi, alors qu'est-ce qu'il fait pour faire rigoler avec son humour de droite? Il va dessiner une bite. Et après, quand on lui dit, Donatien, il va dessiner une bite, la maman va pas être contente. Ben, il la suit pas, il les suit, il fait qu'un petit rond qui ne ressemble à rien. Voilà, et ça m'énerve. Alors, quand tu as évoqué Louis Braille, je dois dire que j'ai eu très envie que tu deviennes muet. Tu nous as parlé de l'espoir qui faisait survivre les cancéreux. Dans des citations, dans les auteurs qui reviennent, celui-là n'est pas revenu, c'est un comique. J'imagine que toi, Claude Bigard,